Marco dénonce une équipe Mercedes manipulatrice. Oh là là, qu'est-ce qu'il va encore baver, lui, là? Marco, là. Les dépassements ont toujours été difficiles, a expliqué l'Autrichien dans les interviews à Motorsport Magazine. Mais ils le sont encore plus avec des zones DRS raccourcies. Et nous savons d'où ça vient. Et oui, ça vient évidemment de Mercedes. Pff, non mais qu'est-ce qu'il a des preuves de ça en vrai ou... Marco n'a pas hésité à préciser sa pensée, accusant ouvertement Mercedes. Nous devons arrêter d'intervenir avec ce genre de manigance manipulatrice. C'est bizarre que ce soit Mercedes qui, de toutes les équipes, gémisse le plus. Pendant des années, Mercedes avait le moteur supérieur. Ils étaient beaucoup plus en avance sur la concurrence que nous ne le sommes maintenant. Et puis lorsque vous sortez une voiture non compétitive 2 années de suite, vous pourriez être avisé de vous concentrer là-dessus. Mais enfin, d'où tu penses, Marco, que ça vient de Mercedes? Au contraire, je pense que Mercedes, ils aimeraient plus de DRS, vu la voiture nulle qu'ils ont en ligne droite. Ça compenserait un peu le manque de VMAX. Je sais pas. De toute façon, même si on réduit le DRS, ça change rien pour Red Bull, qui va de toute façon mettre une branlée à tout le monde. Donc, je pense pas que ça vienne de Mercedes, perso. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?